nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Et coucou les Bibouxels, bienvenue dans l'épisode numéro 148, si je dis pas de bêtises, du Stealth Project. Nous sommes dans le camp des ubologistes, mais les ubologistes se sont barrés, les enfants, rappelez-vous, on était venus ici, ils ont fait un espèce de cercle, on dit ouais, trop bien, machin, ils nous ont ramené des combis, et au final, ils sont barrés, donc il va falloir qu'on les retrouve à la décharge, ils ont dit. Et coucou Rips, comment tu mens? Elle arrive très bien à se lever le matin. Kappa, elle était bien fait de mettre un kappa. Bon, alors, elle est où cette décharge? Elle est là-bas. Et nous, on est là. Bon, c'est pas si loin que ça, donc on va aller vers là-bas. Je me rappelle à peu près de la quête, mais vraiment à peu près pour le coup. Donc, on va quand même s'équiper. On va check scout ou SVAV. Je vois même pas Laura. C'est quoi là-bas? Donc on est parti, donc là on est sur les quêtes des ubologistes. On va commencer par là parce que c'est ce qu'il y a de plus près. On va essayer de clean tout ce qu'il y a à clean de toute façon à Nuka. Je le vois pas là. Et il est dans les fonds de garde. Mais... Ok, je peux plus loot, c'est très bien. Ton message sur Discord, t'as trouvé une version collector pour le 76. Alors oui! Oui, oui, il faut que je vous en parle, ça. Ce matin, je bosse, puis à un moment donné, j'ai un trou. Les mecs disent, ouais, non, mais là, j'ai une réunion, on s'appelle dans l'après-midi. Très bien. Donc je me dis, bah, je vais me faire une game de LOL. Je fais ma game de LOL. Et en pleine game, je reçois un email. Et sur mon deuxième écran, du coup, j'avais mes mails d'ouvert. Et l'email, c'était quoi? C'était Amazon. Amazon qui me dit oui, un article pour lequel vous avez souhaité être alerté est disponible. Il n'y a qu'un article sur lequel j'ai des alertes, c'est le Collector Power Armor de Fallout 76. Et j'ai AFK ma game, de toute façon c'était loose, donc voilà. J'ai AFK ma game, je suis parti acheter mon collector directement et je l'ai eu. Donc j'ai mon collector Fallout 76. Donc j'avais déjà le collector tricentenaire que j'ai préco chez Micromania en désespoir de cause parce qu'on pouvait plus avoir le Power Armor. Là j'ai commandé le Power Armor, je l'ai eu, la commande est confirmée, maintenant j'annule ni l'un ni l'autre, enfin, je vais surtout pas annuler celui-là, mais j'annule pas celui de Micromania parce qu'on sait jamais, il pourrait y avoir une entourloupe ou quoi, donc j'annule rien du tout pour l'instant, et on verra bien ce qu'il en est, mais en vrai ça a été la bonne surprise du jour, et de ce que j'ai compris, il en reste. C'est chiant ça. J'aurais dû aller au... Le caméléon. Fait plaise. Sans le caméléon, je mourrais 10 fois sur ce move. Donc ouais, donc du coup, j'ai pu préco mon collector Fallout 76 Power Armor sur Amazon France en plus, donc pas d'entourloupe possible parce que c'est pas possible de livrer dans ce pays ou quoi. Donc ça, c'est cool. Et je pouvais en commander plusieurs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu passer ma commande, il y avait encore la possibilité de commander. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que... Voilà, avec ce fusil-là, ça marche quand même nettement mieux sur les scorpions. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que du coup, bah... Il doit en rester, donc ceux qui sont intéressés ou quoi, go. Je pense que ça va à peine durer la journée et terminer. Ils ont dû faire genre un espèce de refresh sur les précommandes. Je suis solide mécaniquement là, qu'est-ce qui se passe?
Je vais aller loot mon scorpion également. Et puis on va se diriger vers la décharge des hybologistes. Toi, si je retrouve le scorpion hein, pour le coup, parce que j'ai aucune idée d'où il était. Mais ouais, ça fait plaisir du coup. Je pense qu'il y a plusieurs précommandes qui ont été annulées. Ils ont attendu qu'il y en ait quelques-unes pour remettre les stocks, tu vois, à flot. Il y en a déjà plus, je viens de checker. Bon, bah, il y en a déjà plus du coup, nous dit Rips. Mais ouais, ça fait grave plaisir et voilà, je vais avoir mon collector. Donc j'annule ni l'un, enfin j'annule pas le tricentenaire de Micromania pour autant, parce que de toute façon, je l'ai déjà payé. Donc bon, voilà. Ils auraient pu me rembourser ou quoi, mais au pire, pas grave. Et puis j'aurai les deux collectors. Tant pis. Et puis voilà, mais je préfère faire ça plutôt que d'annuler l'autre et au final de me faire baiser, d'avoir aucun des deux. Et à la fin de la bêta, de me dire bah, c'est génial, j'ai joué à la bêta, je peux plus jouer. Donc j'annulerai rien. Et du coup, le casque Power Armor viendra derrière moi en stream dans mes étagères et ce sera très bien. Les streams au bureau, du coup, pas les streams à la play. Même si c'est un peu contre-productif, puisque Fallout sera certainement à la play. Peut-être du coup que je ferai full fond vert hein, quand on sera sur Fallout 76. Le Stealth Project, j'ai pas envie de retravailler l'overlay ou quoi, donc je mettrai jamais la cam. Mais pour Fallout 76, je pense que si. Et voilà. Salut. Ouais. Vous avez plus d'expérience que nous au combat. Comment devons-nous faire ? Je vais prendre Espy Purifié avec moi, je vais m'en charger, foncer dans le tas, j'y vais d'abord. Je vais m'en charger. Attendez là, je vais m'en charger. Vous devez avoir très confiance en vous, comme vous voulez. Nous attendrons que vous les ayez presque tous. Qu'est-ce que je dois tuer exactement ? Parce que... Ils sont bien mignons, mais... On avance discrètement et de manière assez safe. Putain, c'est irradié mes couilles là. Ça va être chiant. Ah, c'est irradié partout quoi. Oh là là, les rats que je prends. Un radoé je pense. Allez, du légendaire. Augmente la vitesse de récupération des points d'action. Bon, on va le prendre, de toute façon, ça mange pas de points de pain. Mais bon. Peut-être mourir en fait, moi. Je pense qu'il fallait rentrer dans le bus qu'il y avait en bas. Tu sais que j'ai pas de choc, mon deuxième tir de ouf là. C'était un robot sentinelle qu'il fallait dégommer, très bien. Y a-t-il d'autres choses ? Là c'est la soucoupe, ok. Et là je reviens là où j'étais tout à l'heure, non ? Non ?
merde. Ah mais ils sont là. En fait c'est le temps qu'ils arrivent, très bien. Parfait. Donc elle va faire un discours, elle a dit. Nous parlerons dans un instant. D'abord, bien, je dois m'adresser. Donc, moi, je vais boire du coca pendant ce temps. Tu l'as. Non, pas tu l'as. Comment ça, pas tu l'as? Ils se font désinguer encore. Aujourd'hui, nous avons eu une grande bataille. Une bataille que nous n'aurions jamais pu gagner sans notre ami. Mais le prix à payer fut élevé. Nous allons pleurer la mort de Tula. Qu'elle se joigne à nous avec le Père Ciel. Mais notre travail n'est pas encore terminé. Avoir récupéré le vaisseau n'est pas suffisant. Nous devons le réparer pour qu'il puisse voler à nouveau. Il faut le préparer pour qu'il nous mène jusqu'à notre destinée. Bientôt, vous recevrez la plus grande récompense que l'ubologie puisse offrir. En attendant, reposez-vous et faites la fête. Mm-hmm. Vous l'avez mérité. Elle est où cette pointe ? Elle est là. Pardon. Quelle bataille glorieuse. Votre attitude a été splendide. Dommage pour Tula. Elle est morte très jeune, avant d'avoir pu trouver son vrai potentiel grâce à l'ubologie. Je vous ai promis un paiement. Cette arme nous vient d'Ubel, en personne. Prenez-en soin. Laser alien Ubel. Les tirs critiques infligent deux fois plus de dégâts, l'âge de coup critique se remplit 15% plus vite. En vrai, cette arme sur le build scientifique, ça doit être pas mal, hein. Je pense. J'ai encore besoin de votre aide. J'aimerais remettre ce vaisseau spatial en état de marche. Mais nous n'avons pas de réacteur à fusion. Si vous réussissez, je vous donnerai des munitions pour l'arme d'Ubel. Pourquoi voulez-vous réparer ce vaisseau? Okay. Il nous ramènera chez nous. Je ne peux pas vous en dire plus. Vos traitements ne sont pas assez avancés. Je me ferai un plaisir de vous aider. Bien. Une fois que vous l'aurez mis en route, nous pourrons le préparer pour l'espace. Trois réacteurs à fusion pour alimenter le vaisseau. Et installer un distributeur d'alimentation. Alors déjà. Ok. Alors, il y a un entrepôt là-bas. Dans les entrepôts, il y a des fois des générateurs. Générateurs qui contiennent des réacteurs à fusion. Ah bah en fait, c'est indiqué sur la carte. Très bien. Ça doit être là du coup. Oh là là, il m'énerve. Il en reste encore. J'étais tellement pas discret là. Pour moi il n'y avait plus d'ennemis. Hein. Donc forcément. On va prendre un Radaway. On va prendre un Steampack. Et on va bouffer et
manger. Bouffer et boire, pardon. On a encore soif, très bien. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Ça, c'est une machine à médailles qui est cassée. Ah non, ça doit être un truc de New Arcade. Ah, je suis infecté, merde. Ça, c'est un truc pour les sentinelles du patron. Quelqu'un de sale et de peu recommandable, à mon avis. What the fucking fuck, là? C'est un mec. Ah, il est là le baril. Putain. Il s'est fait désinguer lui. On pourra dormir un peu. Ah, un réacteur stellaire. Ah, ben voilà. Je sais pas combien il nous en manque du coup. Distributeur d'alimentation. Plus 25% de dégâts au poignard de combat et écran d'arrêt. Intéressant ça avec notre arme. Intéressant. Ouais. Un Nuka Dark. J'ai hâte de recevoir mon collector du coup maintenant. Enfin, Fallout 76, ça a vraiment quelque chose de cool. Joli. C'est un Ubo ? Ouais, c'est bon. J'ai failli la buter. Hein. Bon, on récupère ce qu'on peut de fatigue là. Mais je suis toujours fatigué. Peut-être qu'on boira un Nuka ou une merde dans le genre. Là ça donne sur le dehors. Ok, mais on n'a pas tout exploré ici du coup. Il y a un poste d'armure assistée. Un truc de basket out of order. Ah. Donc là il y a le dérouilleur communiste. C'est là la première fois que j'avais trouvé moi. Eh ben voilà un réacteur à fusion supplémentaire. Un tapis d'armes, tube électronique, ok. Tapis d'armure. En vrai, il n'y a pas moyen d'avoir un établi ici. Ce serait OP. Non. J'ai pas l'impression. Parce qu'on sait que une fois qu'on aura remis le courant, il y aura des trucs à faire. Terminal inaccessible, alignateur de rayons Zeta. Ouais, ça va peut-être devenir leur nouvelle base en fait. Je sais pas. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ça. On peut. Ah, attendez, il y a un truc bien bien. C'est le deuxième de la partie.
avec que dalle de chance dans le spécial. C'est la deuxième tarte parfaite que je chope de la partie. C'est ouf. C'est ouf, sans déconner. Des colons sont très mécontents, vous risquez de perdre la colonie, pépinière Green Top, cette situation ne s'améliore pas. Ok, bon, on verra plus tard. C'est la deuxième fois dans cette partie que j'y arrive. C'est épique. J'ai combien de chances en vrai dans mon spécial là? J'ai 3 en chance. Eren Jesus était là ce soir. Par contre, au niveau des colonies, c'est la merde. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Pépinière Green Top, c'est ça? C'est pas le truc des robots ça? Il faut vraiment que j'ai chef local pour partager les ressources. Parce que là, c'est la merde. Je sais même pas si on est loin de chef local ou pas d'ailleurs. Mais non, mais on a chef local en plus. Ah oui, mais on n'a pas établi les voies de ravitaillement du coup. Putain. Bon, on va aller ramener tout ça au destinataire de la quête. Est-ce qu'il y a moyen de glitcher le truc là? Oh, j'ai pas envie de faire le tour moi. Et je crois que je vais en être obligé. Parce que là on peut pas rentrer, en plus je prends des rats, c'est génial. Ouais, faut vraiment que je fasse le tour. Pam pam param pam. Bon allez, on y go. Ah, je reprends des rats pour rien du coup là. Ouais, j'ai bien mes 3 réacteurs à fusion là. Donc on va pouvoir valider cette quête. Ouais, mais il en manque un, non? Bah, ils nous ont demandé 3, mais ok. Pardon? Les lumières! C'est incroyable! Ah oui, tiens! Vous avez réussi! Tout le monde dans le vaisseau! Nous devons tester le système. Entrez avec nous et mettez-le en route. Vous verrez que la prophétie du Bel est vraie. Can I just, genre, rester là? Et vous le faites? Mais en vrai, c'est une putain d'attraction, ça, c'est pas un vaisseau spécial. Ça se voit, genre, enfin, le truc prend la rouille. Je pense pas qu'avec les radiations dans l'univers, tu fasses des trucs qui rouillent. Donc, ovni ultime, oui, enfin, ultime, ultime les boules, quoi. Ouais, non, mais c'est carrément une attraction, ça. Regardez-moi ça. Les mecs sont. Genre, y a pas de siège. Y a juste des plaques. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir le vaisseau spatial fonctionner. Le moment est-il venu de vous libérer des entraves de vos neurodynes? L'ubologie nécessite un grand dévouement. Un petit don de 50 capsules prouvera l'importance que vous accordez à votre développement personnel. Vous allez recevoir des radiations pendant la procédure. Alors il vaut mieux être en parfaite santé avant de commencer. Non? Non, pas encore. Je reviendrai plus tard. Si vous attendez trop longtemps, les neurodynes vont continuer à s'accumuler dans votre esprit en embrumant votre intellect. Lâche-moi, toi. C'était bien d'avoir quelqu'un qui se bat comme vous pour nous aider à prendre le vaisseau. Bon, ben j'ai parlé aux 3. Non, pas à elle. Hey. Pourquoi Tula est-elle morte? Elle était trop jeune. Trop jeune. Ok, bon, on parle à la chef maintenant.
Pardon. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Sans vous, nous ne serions pas sur le chemin de la rédemption qui nous est destinée. Allez, commencez le tour, frère. Me prends pas pour un jambonneau. En plus, c'est les mêmes commandes que pour les autres manèges. Est-ce qu'on n'aurait pas, genre, surboosté le truc? Alors, désolé pour ça, les Bibouxel. Moi aussi, j'ai mal à la tête, là. Des visions. Ah ben moi aussi j'ai des visions. Alors. Ah, je crois que je vais mourir. Ça fout la nausée cette merde, hein. Même en tant que spectateur, là. T'imagines le mec qui gère l'attraction? Waouh. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Ça n'aurait jamais pu se faire sans vous. Ok. Hey. Voici les munitions que je vous ai promises. Pour vous remercier d'avoir participé à l'avancement du grand plan du Bel. Nous avons encore quelques mois de travail pour préparer notre voyage. Peut-être plus. Très bien. Alors, moi, vu que j'ai pas fait du tout les choses comme ça avec eux dans la première partie, j'ai pas du tout eu cette fin. Et je pense savoir pourquoi. Vous vous rappelez qu'il restait un emplacement vide de réacteur dehors. Et je crois que la quête dans ma partie, vu les décisions que j'avais prises et la relation que j'avais avec eux, j'avais le choix d'en donner que 3 pour faire la fin, bah, là, que vous avez eue, ou d'en donner 4 et d'avoir une fin très différente. Et avec 4 réacteurs, le truc va beaucoup plus vite. Et du coup, ils ont un sort différent à la fin que vous découvrirez dans une autre partie où on fera les choses différemment. Donc, ok, là on a fini avec les jubots a priori. Pardon. Mais parle. Non. Excusez-moi. C'était un sacré combat contre le robot. Un sacré combat. Hey. Ok, donc ils veulent plus me parler. Ok, donc qu'est-ce qu'on a encore comme quête, vu qu'on a fini ça? Donc, les colonies à faire pour mettre des pillards. Des pillards... enfin, des pillards à buter. On en a 3, ça. Ouais. Il reste les capis avant de partir, peut-être. Il y a Aventure Safari et Dry Rock Gulch. On va peut-être faire ça, les mecs, avant de partir. On va peut-être faire ça, hein. Ouais, je pense qu'on va se faire ça. Ouais. On va aller à Dry Rock Gulch. À rentrer, il nous manque encore 2 réacteurs stellaires. Et je vais pas vous cacher que... Attendez, on va pas sortir par là. Oh putain, mais... Non, mais sans déconner. Je suis vraiment coincé dans le décor là. Oh non, il est trop loin. J'aurais dû valider quitte à le tuer, tant pis. Attends, mais je suis vraiment bloqué là. Je ne peux plus bouger, les mecs. Ah mais je vais pas devoir reset la partie pour cette merde là, sans déconner. Oh. Bon après on a sauvegardé il y a pas longtemps, parce qu'on était là-bas, mais ça fait chier quand même quoi. Mais là bloqué comme je suis... Ah. Il y a eu un mouvement. Non. J'arrive sur un fail, bah oui. Là, je peux juste zéro sauter là. Bon, bah écoutez, hein. On n'a pas le choix. Ça fait chier.
mais c'est comme ça. Et du coup, coucou Ice. Bon, ben, on va refaire hein, la fin de la quête. De toute façon, on l'avait sauvegardé il y a quoi, peut-être 10 minutes. Donc, c'est pas trop gênant. Et ensuite, on ira faire les images de Capi. Donc, à la zone safari, à Dry Rock Gulch. À Dry Rock Gulch, on sait qu'il y en a une dans le cimetière et une dans l'attraction. À la zone safari, il y en a une chez les gorilles qu'on avait déjà trouvée. Une dans le labyrinthe. Donc, ok. Et après on sera bon pour les images de Capi. Par contre il restera les réacteurs stellaires. Ça j'avoue que là on en a trouvé un peu au pif comme ça. Il en reste un dans la zone galactique et un dehors. Mais alors où dehors? Attends mais je suis con. Parce que j'avais pas tout pris. Et merci Ice pour tes 1000 bits. Turbopompe une rivière de Nuka Quantum avec sa bite. D'accord très bien et merci beaucoup Ice. Bah, au final, je crois pas que j'avais pris les coffres avant de sauvegarder là. Si. Ok, bon, j'avais tout pris en fait, très bien. Même le réacteur stellaire, ouais, ok. Bon, on va refouiller ces deux petites poubelles et puis go. Si vous avez besoin d'un alignement, vous savez où. Ok, go. C'était un sacré combat contre le robot. Un sacré combat. Je suis sûr qu'on peut passer là quand même. Bah oui, on peut passer. Voilà. En fait, c'était. Bon, allez. On va faire vite. Il était où le réacteur que je n'ai pas pris? Dans l'entrepôt? Merde. Putain. Mais voilà. C'est le réacteur que j'avais pas eu. Je suis un bolos. Oui, ça ils nous l'ont dit tout à l'heure déjà. Ah et cette fois est-ce que... Ah bah oui parce que j'ai récupéré la tarte parfaite. Est-ce que je vais encore la récupérer ou pas? Ok, donc limite c'est prédéfini par partie. Très bien. Bon bah c'est nice, donc la deuxième que je récupère avec mes 3 points de chance de mort. Je sais pas comment c'est RNG ça du coup. J'avoue que je ne sais pas. Mais bon, c'est la deuxième de la partie, donc c'est quand même cool. Je crois que j'en ai eu deux aussi dans ma première partie que j'avais faite. Mais j'avais quand même un poil plus de chance. Hein. Je crois que j'étais limite à 10 points de chance à la fin. Après j'avais presque 100 levels de plus aussi donc forcément j'avais un peu tous les perks, un peu tous les spéciales. C'est incroyable. Vous avez réussi. Tout le monde dans le vaisseau. Nous devons tester le système. Entrez avec nous et mettez-le en route. Vous verrez que la prophétie du Bel est vraie. Tu comptes rentrer ou pas, fils de... Voilà. Bon, on va pas refaire les dialogues et tout ça. On lance et c'est terminé. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir le vaisseau spatial fonctionner. Donc allez, c'est reparti pour la nausée. S'il faut, il faudrait analyser ça image par image, mais il est possible qu'ils aient caché des images là-dedans, Bethesda.
marché. Ça a vraiment marché. Ça n'aurait jamais pu se faire sans vous. Le vaisseau à amiante radioactive, c'est un petit peu ça, ouais. Salut. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Sans vous, nous ne serions pas sur le chemin de la rédemption qui nous est destinée. Voici les munitions que je vous ai promises, pour vous remercier d'avoir participé à l'avancement du grand plan du Bell. Nous avons encore quelques mois de travail pour préparer notre voyage. Peut-être plus. Ok, donc on est bon. On a fini cette quête, on reprend de l'XP, et cette fois, on se casse pas la gueule dans la ferraille, on part directement vers Dry Rock Gulch. En vrai, pour les réacteurs stellaires, je pense que je vais regarder sur internet les emplacements des deux derniers. Parce que très honnêtement, les bros, c'est tellement grand quand même comme zone, Nuka World. Alors vous imaginez ? Chercher un tout petit truc comme ça dans tout ça, avec comme ça l'indication que c'est pas dans une des attractions, là j'avoue que c'est chaud quoi quand même. Donc ouais. Donc on va commencer par la Dry Rock Gulch et voilà. Mais ouais, il y a moyen que je mette un marqueur sur la carte à terme. Enfin, que j'aille voir sur internet. Pardon, je sais plus ce que je dis en fait. Triche. C'est pas une question de triche, mais d'optimisation. Là en fait, si tu veux, ça a rien de skillé ou même d'intéressant que de parcourir toute la map dans l'espoir de... S'il faut, en plus, je suis déjà passé à côté sans le voir. Donc en fait, c'est juste une perte de temps, tu vois ce que je veux dire, Ice. Après, libre à toi de le prendre comme un abandon de mes valeurs, mais... d'un côté, hein. Ton avis, fraté... Maintenant que je sais que tu me fais des infidélités, en plus... Et que ce mois-ci, t'as lâché 29 kbits chez Armand également... Ça va pas se passer comme ça, hein. Le mec trop vénère, tu sais. Eh ouais, je sais tout, moi. Les gens sont choqués. Ils sont outrés de découvrir que t'es pas exclusif. Mais non, bro, je t'engage pas du tout à donner des bits pour compenser. Vraiment pas. C'est juste que... L'autre jour, quelqu'un l'a vu, je tairai son nom parce que peut-être que il ou elle ne veut pas être impliqué. Et putain, mais il est millionnaire, enfin c'est quoi son job exactement? Je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il est à 290, enfin à 29 kbits chez Armand. Je fais ok, d'accord. Il y a quelqu'un là. C'était quoi ce bruit? Mais je voulais le tuer moi les mecs. Faut pas prendre mon XP comme ça. Sortez-vous les doigts du cul, allez. Bandana léopard. Ça peut être stylé en vrai, je vais le prendre. Ils montent tellement de KS mon kill en vrai. C'est des débiles à la meute hein. Rien du tout. On y va. Quoi? Ok, donc moi j'aurai aucun kill là-dessus. Tu veux bien saigner ? Ouais, oui. Mais ils sont où les récupérateurs ? Les mecs me piquent mes kills quoi, enfin genre... Y'a pas un poil de respect dans les opérations. Mets du léopard maintenant qu'elle grosse traînée. Non mais je trouve ça marrant en fait. Ta mère l'a traîné. Bah, c'est pas toi qui va prendre ça pour une insulte en vrai. Bon bah je retire du coup. C'est moins marrant si c'est pas blessant. J'étais en mode what the fuck, c'est un carquois avec des flèches? Genre serais-je passé à côté d'une arme? Non, par contre je vais pas spoil Fallout 76 mais Mason a arraché la patte d'un Yaogwai avec ses dents une fois. Faites gaffe à ce que vous lui donnez à bouffer si vous tenez à vos doigts. T'as peur? J'aimerais bien éventuellement voir s'il n'y a pas un mec légendaire à qui voler des trucs.
Attends, ça donne quoi le masque de corbeau? C'est de la merde. Ok. Ah, il y en a un là. Pas l'intérieur. Bon, on va bouger du coup vers le parc. Je pense qu'ici j'avais déjà tout récupéré la première fois qu'on était venu et qu'on s'était battu. Et cette fois, c'était la première fois, c'était avec des opérateurs. Il m'avait laissé les kills au moins. Mais je trouvais ça bizarre aussi que la meuf des récupérateurs là, elle réagisse, parce que je suis censé être discret quoi. Enfin, je veux dire, je suis full silence, ombrage, j'ai deux trucs caméléon, enfin. Merde à me man donner quoi. Et en fait, bah, c'est pas moi qui fais du bruit. Alors, il y a peut-être des verres de sang, donc on se cache. Putain, je pourrais remplir ma bouteille là-bas. Je vais le faire. Bon, là il y a le shérif. Ok. Quoi? J'ai bien le droit de donner quelques centimes à les streamers qui font la manche dans les ruelles sombres de Twitch, non? Ah, est-ce qu'il vient de lâcher 20 000 bits là? Mais pourquoi t'as fait ça? Merci Ice. Mais tu m'as pas dit il y a quelques jours que c'était la fin du mois et que tu pouvais pas me payer une Switch ou je sais plus quoi? Merci beaucoup Ice, le mec est taré complet. T'en es à combien de millions d'euros donnés? Parce que ton dernier badge c'est 200 000. Mais Ice, faut pas faire ça quand je fais des calls comme ça. 20 000 bits, ça fait combien? Ça fait 200 $, non? Mec, arrête un peu. Enfin genre, c'était pas pour ça. C'était juste une manière de râler non, le mec est taré complet, très bien. Il ne respecte rien ni personne, il ne respecte pas les gens au SMIC. Bah merci beaucoup Ice hein, j'ai dit ça. Je sais pas ce que t'as dit moi, j'ai... Attends, parce que là il y a un problème. Ils sont où ces putains de larves? Pas déconner hein. Bon. Donc dans le cimetière. Il y a des verres de sang partout. Ah si je peux avoir un don PayPal de 200 $ moi aussi tant qu'on y est. Ouais non, mais j'avoue, enfin genre le mec. Il est là. 8 indices, j'y suis presque. Donc il y en a un dans la mine également, on nous avait dit. Mais maintenant que t'en parles... C'est pas une promenade de santé, les terres désolées. Il y a votre des gens qui disparaissent tous les jours. Les représentations de 13h et 15h d'Oswald de l'excentrique sont complètes. Les gens payaient toutes ces conneries. Il reste encore quelques places pour 17h. Ils pourraient mettre du stuff des disciples quand même. J'ai toujours pas une seule pièce légendaire des disciples en fait. J'en ai eu des opérateurs, j'en ai eu de la meute avant. Je peux te faire un bon d'achat de 200 € pour la quincaillerie du stream. Il y a une quincaillerie dans le stream. Ouais, merci beaucoup Ice en tout cas pour tes 200 000 bits, mais tes 20 000 bits pardon. Enfin tu sais on est plus après. Mais t'es taré complet, enfin ça fait 200 balles mec. Attention quoi, enfin genre c'est de l'argent tu sais. Enfin, je sais que si tu le fais c'est que tu peux le faire hein, mais... Je veux bien que je sois assez skillé et tout ça, mais peut-être pas à ce point. Alors le capi, où va-t-il être? Regarde s'il est pas derrière, mais non. J'ai aucune idée d'où il pourrait se trouver le capi. Ah bah là, je suis con, je l'avais pas vu la première fois vraiment. C'est le 9ème indice. Bonobo, en fait. Bah retire ton don Ice hein, parce que là
un tel non-niveau de jeu. C'est quand même scandaleux. Attends, on pouvait pas dormir là, si. On va save ici. Bref, c'est un melon. Ouais. Ah là là. Les bonnes courges. Y'a quoi dans la quincaillerie? Là, de la quincaillerie en fait. J'aime ces mots comme quincaillerie, pharmacie, etc. qui désignent à la fois un magasin, à la fois un type de produit, à la fois un lieu, enfin tu vois ce que je veux dire? Genre la pharmacie, c'est à la fois le lieu où t'achètes des médicaments, à la fois bah, les médicaments, un ensemble de médicaments, à la fois... Enfin vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ces mots-là. Parce que du coup ça permet de faire plein de quiproquos et de s'engueuler avec les gens quand tu t'ennuies. Ouais, ouais. Bon allez, direction la zone safari, mais avant je bois. En fait, comme ma PlayStation est trop rapide, j'ai pas eu le temps de boire pendant l'écran de chargement. Désolé. Je vais acheter une Switch, donc théoriquement, des écrans de chargement et des latences, on en aura. Donc ça n'arrivera plus. C'est tellement gratuit ce que je mets à la Switch. Nishan a qu'une seule règle. Désolé, bon, pour ceux qui ont une Switch et qui sont contents. Mais pourquoi? Ta gueule! Ça va bien maintenant. Bon, c'est par où? Ah, je litige ton dent et donne-le moi à la place après ce qu'il vient de dire. Mais non. Petit clou pour faire des petits trous au lilas jusqu'au clou de 10 km pour les petits clous dans les tours jumelles. Ah! Évite d'écrire tours jumelles sur mon stream, Ice, s'il te plaît. Je sais même plus ce que j'ai dit en vrai, Ice. Alors, c'est le truc sur la Switch? Qui veut te faire litige? Attends, mais c'est encore Dry Rock là? Elle est où la putain de zone Safari? Je sais jamais où aller la zone safari moi. Ça c'est parce que je suis un animal MDR. Bon. You are here. Faut aller tout droit. Très bien. Ah bah non, faut zéro aller tout droit en fait. Y'a pas d'accès direct. Oh là 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 là, quelle merde. Sur les mots type pharmacie et quincaillerie. T'aimes pas? J'admets que la censure qu'on essaie d'imposer à propos du complot américain t'en mon motif aussi. Vous êtes vraiment les pires. Attendez, je me suis fait griller par un grillon. Petit. Putain, on les voit pas! Et je vais mourir. Ce grillon là. Ça va maintenant? Bon. Direction la zone safari, on avait dit. Là, je me fais bolosse par des grillons quoi. Paye ton niveau de jeu. Je sais toujours pas à quoi servent ces fleurs moi, je les prends mais...
Eh, j'ai bien défendu Sanctuary, vous avez vu. Allez, on arrive à la zone safari. Donc c'est dans la cabane. La cabane des gens heureux. Je viens te montrer là. Comment ça, attention? Attention de quoi, putain? Attends, il y a un bras buffle. Non mais, n'hésite pas à crever, toi. Il y en a combien des bras buffles exactement là? Il y en a encore? Ah mais ça va deux minutes, enfin c'est quoi ces trucs? Tous shiny. Allez, maintenant on va voir ce que... C'est pas elle. Il est passé où le légendaire? Il y avait un légendaire tout à l'heure qui était par là. Paraît que la meute a trop la rage de voir les commandes. Moyennant une somme symbolique. Il a quoi lui? 25% de chance de désarmer les attaquants en cas de garde réussie. Ah bah dis donc. Bon, il est où mon cadeau? Il est là. J'espère que New Kager l'avait pas prévu de se battre dans cette tenue. Autant y aller à poil. Ok. Bon. On va sauvegarder. Et on va aller dans la cabane. Enfin, dans le labyrinthe. On a des flingues, c'est vrai. Et on peut là-bas. Sensible à l'entrée du carrousel cabalcade. D'accord, pas de fin de cul-de-sac, très bien. Et comment on va dans le labyrinthe? C'est là. Ok. Pour l'instant, on est à gauche. On a fait gauche, gauche, gauche. Donc gauche, gauche, droite. Donc on revient là. Donc on a fait gauche, milieu. Ok. Donc droite directement. Droite. Droite. Y'a rien. Donc droite, droite, gauche. Gauche. Y'a. Donc droite. Ah il est là. Et voilà le dixième indice. C'est le moment de retourner auprès de Sierra pour voir si elle arrive à la déchiffrer. Là c'est le moment où je me perds par contre. Non c'est bon.
C'est bon. Ok, bon, on va aller voir Sierra du coup. Et il est quelle heure? 18h55. Eh bien, écoutez. Oh, ça casse les murs, là. Ce soir à 21h. On a soif et tout ça. De toute façon, on allons voir Sierra. On va aller au QG. Voilà, on va dormir au QG pour sauvegarder et ce sera très bien. On s'entoure comme ça et ce sera parfait. Tu sens arriver le Minobrame? Un Minotaur Bramine? Ce serait huge en vrai. Voilà, j'ai tous les capis. Donc ça, c'est nice. Et pour les réacteurs stellaires, comme je l'ai dit, je pense qu'on va regarder sur internet parce que voilà, on a le freeze classique d'arriver à la zone galactique. Pour les réacteurs, je pense qu'on va regarder sur internet. Je vais regarder la pause en fait. Voilà. Parce que je sais pas. Je vois pas où ça peut être. Donc j'ai quand même une bonne mémoire à peu près de ce qu'on a trouvé dans le Stealth Project là. Donc voilà. On va capitaliser là-dessus en fait. D'avoir un Minobrame, donc un Bramine Minotaur, que tu puisses foutre devant tes colonies dans un labyrinthe, j'avoue que ce serait stylé. Ce serait assez stylé. Carotte. Bon. Trêve. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à boire de l'eau purifiée quand j'ai un lac en face de chez moi. Bah voilà, vous êtes bien hydraté. Vous avez eu ça un peu? Hydratation, c'est ma passion. C'est quand même vachement mieux que de passer sa vie à faire pousser des céréales de merde pour finir avec une balle dans la panse. Le dernier est mort trop vite. Bah ouais. Je perds la main. Au final, on a eu peu de stuff de Nuka World dans ce DLC. On en a eu plus limite avant que maintenant. Donc, on sauvegarde. On fait une bonne nuit, il est 11h du soir, merde. Donc ça fait minuit plus une, ça fait, ouais, on va faire ça. On dort 19h, donc on aura un petit peu faim, un petit peu soif, machin, mais au moins c'est cool. Du coup, pour YouTube, c'est la fin de cet épisode numéro 148, j'espère qu'il vous aura plu. On a tous les capis, on a fini la quête des ufologistes. On va essayer de réunir les réacteurs stellaires, mais avant toute chose, on va aller voir Pietra, hein, pour ou Sierra, là, je sais pas quoi. La nana folle de Nuka. Pour voir un petit peu ce qu'elle compte faire des capis, mais on verra ça. Je vous fais des bisous YouTube, je vous dis à très bientôt pour la suite du Stealth Project, et dans quelques semaines, on découvrira ensemble Fallout 76, la bêta sur PS4, donc j'aurai pas la bêta dès les premiers jours avec l'Xbox, mais j'aurai la bêta sur PS4, donc si ça vous plaît à ce moment-là, venez sur les lives, sur les streams, vous avez le lien vers ma chaîne Twitch dans la description, vous avez le lien vers le planning de mes streams, où j'indiquerai quand est-ce que je streamerai du Fallout, etc. Et puis si vous voulez suivre tout ça sur YouTube, sachant que je ferai, je pense, des VOD, je vais essayer de faire des VOD où je mettrai l'intégralité, comme là je fais pour le Stealth Project. Et je ferai également, j'espère, avoir le temps de faire un petit peu des petits best-of, des trucs comme ça. Et merci Alice pour tes 100 bits. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça si ça vous intéresse, et si ça vous hype. En tout cas, moi, Fallout 76, ce sera vraiment cool. Je vous fais des bisous YouTube, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, et à la prochaine. Ciao.